Salut à tous. Alors, comme prévu, on est de retour pour la course de minuit. J'ai le numéro 4. La piste est cette fois-ci beaucoup plus fraîche. Avec là tout de suite, elle était à 34 degrés. Donc, c'est logique, hein, à cette heure-ci, il fait plus froid, hein, même s'il fait jour. À cet instant-ci en France, c'est la nuit, donc il fait plus froid. J'ai légèrement retouché le setup. Ici, on va mettre pour les qualifs. Et on démarre. Nico est toujours avec nous, sauf que cette fois-ci, il fera pas la course. Ouais, regarde. Ouais. Tout à l'heure. On va donc tenter cette fois-ci au minimum un top 5 et si possible un podium. Et c'est parti pour la qualif. On essaie de pas faire d'off-track, sinon c'est mort. Et malheureusement, on ne peut faire qu'un tour, donc on ne pourra pas y aller vraiment à fond, comme on le souhaiterait. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Température. Ça ne s'est pas trop mal passé. C'était pas nickel, mais c'était potable. Thank you.
Allez, c'est ici que tout se décide. Pas sortir trop large, voilà. Moi. Peut mieux faire, mais bon. 507. Lee Martin. Oh non, slow down. Slow down dans la dernière chicane. Et j'avais fait 5-4.4. En pole position, bordel. Bon, on n'aura pas de chrono pour la qualif, mais visiblement, on met une claque à tout le monde. Ah non, Brad Adams qui a fait 5-4.4, ah, on l'aurait battu quand même, de quelques millièmes. Alors que j'ai été prudent, donc c'est quand même un bon signe pour la course. Étant donné que j'ai battu mon record, ça veut dire que mes petites retouches de setup ont été efficaces. Voilà. Juste une petite vérification. On va remettre du carburant. Appliquer. Donne. Et. Ça va gueule la patrouille quand même. Ouais. Elle pète un peu les oreilles, mais ça la gueule, ouais. Alors, pas de refueling, pas de pneus. Hop. FPS. On va partir 11e. Le numéro 1, il est où? Check. Je le vois pas. Cheers. Allez, espérons qu'on se fasse pas démonter. Allez, bonne course. Merci.
clear on the right. Right side. To the left. Go left. You're on the left. Three wide. Ça a déjà tapé apparemment. Ok, première chicane, on s'en sort bien. Ça va. Ah, évidemment, on s'est bouchonné, hein, ça c'est sûr. Ils sont partis à trois devant. Lui, il va tirer tout droit. Ah oh, putain. Ah ouais, c'est le numéro 1. Mais barre-toi putain. Putain, les mecs, je leur mets tous une carotte et pour finir, ils passent la chicane comme moi, quoi. C'est fou, ça, quand même. J'étais obligé de prendre un peu large. Voilà, Mulsanne, je vais lui mettre une carotte. Essayez de prendre un petit peu de side draft. Laisse-le passer, puis. Non. Tu le garderas. Tu vas l'avoir la prochaine. Non, moi j'y vais plein pot. J'ai des places à rattraper. On a gagné deux. Ça va, hein. Je pensais m'en faire un sur Mulsanne, j'en ai fait deux. Non, ça je sais que sur Mulsanne je suis bon. Et Indianapolis aussi. Oula. Ça m'énerve. Allez, tiens ta ligne. L'autre derrière, on n'en parle plus. J'aime pas Porsche.
Bon, un peu d'air, je vais pouvoir un peu rouler comme il faut. J'ai frôlé le slowdown là. Je me fais attention. Ouais, ouais, j'ai vu. C'est passé. Ouh, un peu vite. Ouais, reviens. Ouais, je sais qu'il faut être de retour sur la piste avant la fin du bleu, sinon t'as un slowdown. Là, je vais avoir une bonne aspi, je vais peut-être pouvoir passer la 6. C'est qui l'autre là derrière? Ah, Nicolas. Oh putain. Oh, mais toi t'es suicidaire, t'es mon vieux. Ça c'était couru d'avance. Slow down. Ça, je l'ai vu. Quand je l'ai vu tirer tout droit là, je me suis dit, celui-là, jamais il tourne. Mais bon, il m'a fait perdre du temps de nouveau. Et ce qui m'emmerde, c'est que l'autre devant, il est à 3 secondes du précédent, donc plus d'aspi. Ça, ça me tue quoi. Je leur mettais tous une carotte en qualif et regarde, j'arrive pas à remonter. Qu'est-ce que tu reviens là? Après, ils sont sur l'aspi aussi devant. Tu peux les rattraper. Hein. Ok. Bah ça va, j'ai un bon lièvre devant. Ouais, il va faire un... Il marche un bien. Relais, un relais. Next, I wish for you. Alors.
Ouais, j'ai été un peu vite là. Ouais, tu l'as pris un peu serré là. Ouais. La première chicane. 5-0-3. On disait bien, tu sais, qu'on marche fort. Ouh! Oh merde! Putain, slowdown. Whoa! Why do you come to the left? I didn't. Allez, descend, 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 descend. Ok. Merde! Dire que normalement j'aurais dû être au moins dans le top 3, dans le top 3 quoi. Ça fait chier franchement. J'étais un peu distrait, il y avait une belle madame Météo à la télé. Avec une belle petite robe très très courte. J'ai pas tout vu alors. On va faire un tour. Allez, 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 allez. Allez, ici, je vais gagner du temps. Je lui ai pris une demi-seconde sur Indianapolis. Sorry, Brad. I thought I could bump you. We're running low on fuel. We might not make it to the end. What's all good? Ouh, je suis un peu large. Ok, un dans le décor. Une place gratuite. Une place, ouais.
Voilà, je suis bien passé la chicane. Le 505.8 sans aspi avec un slowdown, c'est pas mal. Hein. Et t'es pas tout seul sur la piste, hein, Coco? Ouh, un petit peu de sous-virage là. Allez, fais ça bien, celui-là. Ouh, j'espère que j'ai pas de slowdown. Non, c'est bon. Voilà. Je suis allé fort à l'intérieur quand même, tiens, à la corde. Ouais, c'était juste. Ouais. Ouais, faut pas. Faut jouer avec le feu. Allez, je suis 7ème. Derrière. Il reste derrière, ouais, c'est bien. C'est bien, il est intelligent, lui. Il a vu que j'étais plus rapide que lui, il reste derrière. Et le Lee Martin, il a normalement il a plus d'aspi, donc je devrais pouvoir le bouffer. Sometimes those penalties, really. Thanks, Paul. Il est en train de me mettre une carotte ici. Ah ouais, mais c'est le numéro 2 en même temps. Je lui ai mis une demi-seconde sur... juste sur le virage. Pourquoi là? Oui, il va revenir. C'est pire. Mais... il va attendre, je pense. Ouais, mais maintenant il y a Indianapolis, donc je vais recraser l'écart. J'arrive pas à revenir sur ceux de devant. Ouais, ils ont l'aspi. Ouais, et puis numéro 1, numéro 2. You have about one lap of fuel left. Numéro 6, numéro 3. C'est mort, c'est. A mon avis, je vais finir 7ème. Ouais, peut-être pas garé. Ouais, peut-être un crash, ouais. Il y aura une petite surprise. Ah, drapeau jaune. Bien sûr. Ouais, j'ai vu. Allez, 6ème. We'll be good on gas, right? Yes. White flag, one to go.
No, you have to take. Sans aspi et avec la voiture qui gêne. Moi bon, c'est bien, je roule bien. Je suis content. J'arrive pas à les rattraper, mais au moins je refais tout ce que je peux. Oui, I got 30 on 20 to go right. Normalement j'ai assez d'essence pour finir donc c'est bon. Oh, that was nice. Allez, bagarrez-vous, bordel. Au dernier tour, hein? Non? Quoi? Tu es au dernier tour? Ouais. Je suis 7 secondes derrière. Je suis bien, moi je tape le rupteur dans la ligne droite la plus rapide. Quel con. Ça a craché. Bon, ben, je récupère encore deux places. Le bon Dieu m'a entendu. Oui, et qu'a demandé? Non, mais si bon Dieu commence à exaucer les souhaits des non-croyants, où va le monde? Quand je pense que j'ai des potes qui passent leur temps à prier, ils les ignorent totalement. Bon, ici on va pas tenter le diable. Bon, eh bien, record du tour battu.
si j'avais pas eu ce putain de slowdown dans la dernière chicane, j'aurais eu la pole. Je finis quatrième avec le numéro 4. Bonne course. Voilà, quatrième. Je suis pas mécontent. Ouais, c'est bien. Ça sauve les meubles. Ouais. Ouais, non, là, franchement, c'est bien. On va regarder le tour 1 qui, à mon avis, était assez sport. Effectivement, c'était un peu chaud. Ben, je trouve que je m'en suis bien sorti à la première chicane. J'ai quand même perdu beaucoup de temps derrière le numéro 20 là. Yeah, thanks, Paul. T'as le premier tour était chaud quand même, tu sais. Ouais, c'est l'autre qui a loupé son virage. Virage qui t'a fait chier. Ouais, ouais. Bon, voyons voir. Voyons voir un peu le résultat. Résultat. Moi, oh. Celui que j'ai doublé juste avant la fin, il a fait 5-0-0. Moi, j'ai fait le 1, 2, 3, 4. Cinquième meilleur temps. Alors, j'ai pris 40 rating, 90 points de championnat, ça c'est bien. Je vais remonter encore un peu mon quota de points. Et j'ai repris 0,22 en safety rating. Ce serait bien que je reprenne encore 0,3. Parce qu'alors à ce moment-là, si... si je fais 4 events en classe B sans perdre des ratings, quelques places. Avec les 80, avec les 90 points au championnat, je remonte de 20 points. Je remonte de 20 points normalement. Et en safety rating, ouais, si je fais 4 courses en classe B, je peux repasser A. Mais bon, ouais, à quoi bon. Série standing. Quatrième, 708, mais ça, les 708, je les avais déjà. Donc, allez, je dois avoir une vingtaine de points en plus. Allez, on va dire 700,
Allez, on va arrondir à 720. Donc je devrais repasser 21e de la division 2. Et 29e toute division confondue. Allez, je regagne 5-6 places. C'est pas mal, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Alors, pour la saison prochaine, le cinquième, il a 900 points. 908 points divisé par 8. Ouais, non, c'est pas possible. 120. 900. Ça fait 125 points de moyenne. Putain, c'est un truc de fou, ça. Et toi, t'as combien de moyenne, toi, pour avoir 1073? Oui, c'est peut-être 120 maintenant. J'ai dû faire. Moi. Bon, alors. Bon, on va voir la saison prochaine. Ouais, il faut absolument finir sur la première page. Donc, ouais. Ce sera 100 points par course minimum. Practice cette peau aux petits oignons. Et voilà. Enfin, voilà. Allez, je vous laisse et à la prochaine. Ciao, ciao.